Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. De nombreuses vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines déjà. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent comment on procède pour réaliser des vidéos pareilles. Checkez ça et on revient à la suite. Simple en utilisant cet outil d'intelligence artificielle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, nous allons commencer sans plus tarder, mais avant tout, je vais vous inviter à vous abonner et à laisser un pouce bleu afin de ne pas manquer des épisodes encore plus intéressants. Let's go! So, nous allons commencer sans plus tarder par accéder à Vigle, qui est l'outil d'intelligence artificielle en question qui va nous aider à faire le tour de magie. So, on va aller sur Google et puis taper simplement Vigle et on va pouvoir accéder à la page Vigle.ai. Ok, une fois que nous sommes ici, vous pouvez visiter un peu ce que ça peut faire. Ouais, à partir des images vous pouvez créer des émotions et tout. Mais notre vidéo sera plus concentrée sur la modification des vidéos. Ok, so on va cliquer sur Join et on va se connecter avec le compte Google. À droite, je vais mettre ma vidéo cible et à gauche mon image. Et puis, je vais choisir Green au niveau du background en bas à gauche. Et vous comprendrez plus tard pourquoi je choisis du Green. So, je reviens un peu sur la vidéo originale pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et maintenant, voilà à quoi ressemble l'image originale. J'ai pris mon image, ok. Une photo de moi des vacances. C'est celle-ci. So, là tout de suite, nous allons passer à la prochaine étape qui sera d'effacer l'artiste sur Runway. Runway, c'est un outil d'intelligence artificielle très intéressant. Vous pourriez aller visiter pour découvrir plus accessible sur Google également. So, upload audio en record FN. Synchrone with lips. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est une painting option. So, on va cliquer dessus et on va cliquer sur le plus en haut à gauche et ajouter notre vidéo source sur laquelle on souhaite supprimer le rappeur américain qui fait des merveilles sur scène. Ok, so ça cherche. Ok, là on est bon. On va l'ajouter sur l'écran à droite, vite fait, juste en le glissant. Et puis, voilà le rond qui apparaît avec une couleur plus pour ça. On va sélectionner, on va délimiter les bordures et sélectionner tout le personnage. Et puis, ce qui va se passer, c'est que il va disparaître simplement sur notre vidéo. Donc, le but pour lequel je fais ça, c'est quoi? Vous comprendrez un peu plus en avant. Ensuite on ira sur CapCut superposer le truc et puis on va superposer cette vidéo avec la vidéo finale que Vigle nous aura rendue.
C'est ainsi qu'on peut se retrouver sur la même scène et tout. Ok? Donc c'est surtout pour ça qu'il faut prendre la vidéo originale. Vous voyez, il n'apparaît plus sur la vidéo. Et c'est gratuit. So, allez-y et checker ça. Checker toutes les options que Runway et AI vous offre. Ok? C'est un outil vraiment intéressant. Ok? So, là, tout de suite, nous allons passer à la prochaine étape. Superposition des deux vidéos sur CapCut. Ok? C'est là-bas que le dernier coup de magie, le dernier coup de pinceau se fait. Et puis, on n'aura plus qu'à enregistrer notre vidéo et faire de ça ce que nous voulons sur nos réseaux sociaux. So, vous voyez, j'ai superposé la première image green en haut. Bon, la deuxième bande que vous voyez, c'est mon logo qui apparaît en haut à droite. Et puis, je dispose la vidéo originale sur laquelle on a supprimé le mec en bas. Ok. Donc là, j'avais sélectionné la vidéo qui est mienne, que Vegan m'a produite. Et puis, je vais sélectionner le vert et puis prolonger sur Chrome Key. Et puis, vous voyez, ça a disparu subitement. Vous voyez. Donc, maintenant, je vais vous présenter à quoi va ressembler le résultat final après avoir exporté ce CapCut. Si vous avez des questions supplémentaires en commentaire, n'hésitez pas à me les poser et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est tellement simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Des vidéos telles que celle-ci ou meilleures encore se trouvent déjà sur cette chaîne. Donc allez les checker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer des vidéos encore plus intéressantes qui arriveront dans les jours à venir. À très bientôt.